Bienvenue dans Riche versus Pauvre, volume 3. L'objectif d'aujourd'hui est d'acheter un bateau et un camion. Unwin, le... Hey, arrête, je suis en train d'enregistrer une voix pour une intro, là. Unwin le pauvre a un budget de seulement 50 000 $ et la salle a un budget illimité. Comment vont-ils se débrouiller? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut tous, c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le troisième épisode de 24h vs Riche. Tout simplement, nous allons reprendre ce qui était passé dans les épisodes précédents. Si vous n'avez pas vu les deux épisodes précédents, ça se trouve en description, épisode 1 et 2. Mais je pense que vous avez vu parce que vous kiffez cette série. Donc du coup, troisième épisode, nous avons comme objectif aujourd'hui la salle d'acheter, bon, on rappelle que je suis le pauvre, la salle et le riche. Nous avons comme objectif d'acheter aujourd'hui le bateau et tout simplement un camion. Parce que bon, on a des camions quand même assez stylés sur GTA 5. Donc voilà, moi en tant que pauvre, je vais devoir acheter un camion. J'ai 50 000 de budget. Et la salle du coup devra acheter tout simplement un camion et un bateau. Mais il est riche, il n'a pas d'argent, il est limité. Enfin je veux dire, c'est... Il n'a pas de limite. La salle, est-ce que t'es prêt? N'hésitez pas à activer la cloche, à mettre un pouce bleu, me suivre sur mon Instagram si c'est pas déjà fait. Voilà, puis j'ai envie de dire abonnez-vous. Si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous. Et moi je prends la caméra. Si c'est pas déjà fait. Je prends la caméra, attention. La caméra, je vous la voilà. Bam, je la mets ici. Et du coup, on est parti. Pour. Du coup, là, on est en mode de pauvre. Hein, donc, vous êtes actuellement en tant que Unwin. Et du coup, on va acheter le camion le moins cher de GTA 5. Donc du coup c'est parti, je rappelle que j'ai 50 000 de budget et on va devoir aussi acheter le bateau aussi. Donc vous allez tout simplement, alors là il apparaît pas dans les trucs, donc vous allez dans voyage et transport, hop. Voyage et transport. Acheter un bateau aujourd'hui, ouais, j'ai envie d'acheter un bateau. Donc là aujourd'hui. C'est les bateaux, mais on va pas prendre les bateaux aujourd'hui parce qu'on va prendre tout simplement avant tout simplement. Le camion le moins cher de GTA 5. Le camion le moins cher. Et tout simplement, bah, c'est la mule. C'est la mule. La mule. C'est la mule, la salle. La mule. La mule. Donc, on va l'acheter, hop. On va l'acheter. Non, j'ai déjà acheté, j'ai déjà commandé. Voilà. Déjà acheté. Déjà commandé. Et voilà. Alors, je vous invite à monter, hein, parce que bon, je rappelle que la salle, elle est riche. Hein. Bonsoir, monsieur, n'hésitez pas à monter dans... C'est un véhicule de transport. Je veux bien me salir. Allez-y, allez-y. Alors bon, on peut rien faire dedans, le coffre n'est pas... Oh, mais ça pue des pieds. Effectivement, ça pue des pieds. Ensuite, bah du coup, on ira du coup en tant que pauvre, enfin en tant que riche. Du coup, là, on est vraiment en tant que pauvre. En soi, bon, le camion, je vais vous montrer l'intérieur, il n'y a rien de spécial. Oh, ça pue la pisse. Voilà, vraiment basique de chez basique. Il me semble que la salle, les portes ne s'ouvrent pas, je crois. Les portes, effectivement, ne s'ouvrent pas. Donc, vitesse de pointe plutôt dégueulasse. Hein. C'est-à-dire que le véhicule ne roule pas du tout. Il ne roule pas du tout. Ah ouais. Je vais passer par là. C'est vraiment... voilà, quoi. J'ai envie de dire pire véhicule, quoi. En même temps, c'est une mule, quoi. Je vais voir si... Attendez, voilà. Je vais juste ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Voilà. Il veut pas se... Il veut pas se... Enlève-toi, voilà. Il n'entend pas personne, la salle. N'est-ce pas... Oh, c'est la même, moi. Voilà. Ok. Donc voilà, comme vous pouvez voir à l'intérieur, bah, c'est plutôt basique. Il n'y a rien, on peut rien décorer dedans. Il me semble que la porte ne peut pas s'ouvrir. Alors attendez, je vais peut-être aller voir dans le véhicule. Accès véhicule tout le monde. Partie ouvrante, on peut pas, voilà. On n'avait pas de véhicule personnel. On peut pas ouvrir ce véhicule. Malheureusement, la salle, c'est dommage. Malheureusement, c'est dommage. Il me semble qu'on peut l'ouvrir en faisant des trucs bizarres, mais malheureusement, pas dans cette vidéo. Parce qu'on doit faire des choses. Par contre, attends, je rêve ou... Je suis désolé. T'as 5000 de prime, donc. Oh! Voilà, ça fait 5000 en plus à la canotte. Hop, on rajoute 5000. Je veux dire, moi je suis pauvre la salle. Donc si on m'offre une prime dans le jeu, je te tue, hein, je te le dis direct. Alors, du coup, maintenant, on va. Bonsoir, Alien. Ça va? Tranquille? Ça va? Il y a l'alien qui débarque comme ça, la salle, sans prévenir. C'est pas mal. Ok, du coup maintenant on va acheter la salle. On a acheté du coup la
le camion. Donc voilà, je vais pas vous présenter 30 ans parce qu'il y a rien à présenter en fait. Du coup, on va passer maintenant au bateau. Hop, c'est parti. Acheter un bateau. Donc je rappelle, vous êtes en voyage et transport. Alors, le bateau le moins cher, sachant que là, j'ai déjà dépensé 27 000, plus j'ai rajouté, donc il me reste 23 techniquement, plus j'ai 28 000. Non, pas dans l'avion, l'avion c'était dans l'épisode précédent. Acheter un bateau. Alors, il me reste 28 000, trié par prix, du moins cher forcément. Santo Capto Capra. J'ai 22 000, j'en ai un 25 000 aussi, je prends lequel là, ça le moins cher. Bon, le moins cher. On a le jet ski, hein, mais c'est pas un bateau en soi, parce que on c'est a le un Jedi. Bateau, mais sans plus, quoi, j'ai envie de dire. Donc on va prendre bah, tout simplement le bateau le moins cher, c'est celui-là. Hein. Le Tropique, 22 000. Et voilà, 22 000 la salle, et du coup, il me reste plus combien là? Il me reste plus combien la salle? J'ai plus rien là en fait. Du coup, on va commander le véhicule, il me semble qu'il est arrivé à la salle, vous allez dans tout simplement Pegasus. Dans Pegasus, c'est la salle où vous commandez un peu tous les véhicules qu'on a dans Warstock. On va dans bateau et on commande le Tropique, donc c'est l'avion le moins cher. Et on va se téléporter là-bas, les gars. Donc on prend hop, téléportation et c'est parti. Ok, du coup, c'est parti. Le bateau le moins cher de GTA 5, 22 000. Hein. Je rappelle que avant, bah là, vous avez vu aussi, il y avait l'autre véhicule, le sous-marin qui était à 0$, mais c'est parce que tout simplement j'ai le Twitch Prime, donc forcément j'ai les réductions. Mais là, la salle. Je suis avec le Tropique. Hein. Donc je t'invite à monter à bord de mon bateau. Franchement, c'est pas mal. Hein. Attends, hey. Celui qui a envie de se faire un kiff, là, qui a pas d'argent comme moi sur GTA 5, il peut s'acheter de ce petit bateau. J'arrive. Ah ouais, t'es cash, quoi. Bah, tu peux me ramener à ton véhicule, si tu veux. Il est vers où? Eh bien, il est à gauche. À gauche? Tout à fait. Voilà, vous allez tout droit. J'ai déjà accéléré un petit peu avec celui-là pour voir la vitesse et tout qu'il a. Ah, mais nous aurions pu faire un crash test. Ouais. Il suffisait d'aller tout droit. Franchement, c'est un bateau pas mal. Il est stylé, franchement. Je vais mettre en première personne pour voir un peu ce que ça donne en première personne. Ouais. Il me semble qu'on peut monter à 4 hein, sur ce bateau-là, ça. Tout à fait, ah, 4 fois pas... 4 égale 16. Je sais pas gérer le bateau. Mais voilà, donc voilà la salle. Qu'est-ce que ça fait de revenir aux sources, tu vois, revenir à ces beaux bateaux? Une source sert à boire. Et sur votre gauche, ici, là. Bah attends, faut que je me gare quand même. Voilà. Tout à fait. Donc du coup c'est parti, maintenant on va, la vie de riche, let's go, la salle c'est parti. On va commencer par le bateau et ensuite on commencera par le plus lourd, on terminera pardon par le plus lourd, le camion. Mais déjà on est en mode la salle, j'ai envie de dire bateau. Le voici. Alors, je peux monter à bord? Allez-y, montez. Donc c'est le sous-marin, je vais vous montrer quand même à quoi il ressemble, attendez. Voilà, je vais aller sous l'eau pour vous montrer. Il est magnifique le soir. Ouais, tu vois, moi je peux pas me permettre d'acheter ça quoi, la salle. Faut que je dépense 1,3 million pour avoir ça, mais j'ai que 20 000 sur mon compte, ça craint un peu quoi. Allez, c'est parti. Ah ouais, je vais mettre en première personne normal. Attendez, hop, voilà. Il veut pas se mettre en première personne la salle. Mais si. Attends. Ah c'est bon. Ok. Ouah, c'est stylé. Je sais pas conduire. Ah ouais, je me rappelle le sous-marin quoi. Pour ceux qui se souviennent, en mode histoire les gars, si vous êtes des vrais, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Qui se souvient qu'il y avait un point de spawn la salle du sous-marin, je sais pas si tu te souviens. Exactement. Et c'était un autre sous-marin. Wow, c'est stylé. On est sous l'eau quoi. Bon maintenant on a quand même aussi les... Bon là j'éteins les phares. Oh, tu me tapes tous les trucs vu qu'on est bas, tu vois. Tout à fait. Je me tape vraiment tous les... Ah, attends. Bon, c'est normal hein, si je me tape tous les trucs c'est parce qu'en fait il n'y a pas assez d'auteur, il n'y a pas assez d'eau.
mais on va aller de plus en plus profond. Voilà, on est vraiment bien profond. Voilà à quoi il ressemble. Nous venons d'être informés que votre véhicule avait été volé. Veuillez accepter nos plus sincères excuses. Ah ouais, d'accord, ils ont dit que j'avais volé ton véhicule, la salle. Tout à fait. Et je me tape tout, c'est incroyable. Par contre, pour partir d'ici, faut être pilote, quoi. Il faut être. Du coup, j'ai garé le véhicule. Bon, on va pas aller dans les profondeurs parce que ça sert à rien. Voilà à quoi il ressemble. Donc là, je l'ai garé sur le côté. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Votre véhicule la, est pas la, mal, la, la, la. Donc voilà, je vais monter au-dessus pour vous voyez. Voilà, c'est le sous-marin de GTA 5 du coup. Voilà, pour avoir ce genre de choses, faut être riche, quoi, la salle, j'ai envie de dire. Il faut être riche. Ah ouais, t'es bien. Là, franchement, t'es bien. Ça, t'es bien. Imagine dans la vraie vie. Ok. Et du coup, le camion, voilà, qui arrive. Bah écoute, je vais monter derrière. Je vais vous présenter déjà comment il est de l'extérieur, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Le Terror Bite. Le Terror Zizi. Donc je vais vous montrer quand même les prix des véhicules avant. Donc là on va dans les bateaux déjà. Le sous-marin qu'on vient de voir. Donc là il est à 0$. Donc je sais pas si c'est pas pareil pour vous. Mais sinon il coûte 1 325 000. Voilà. Et le Terror Bite. Terror Zizi. Voilà Terror Zizi. Donc il coûte 40 000 sans customisation. Mais après voilà. Bon voilà le mien il est custom à fond par exemple. Donc voilà, je vous montre un peu comment c'est. Voilà, on peut vraiment mettre la teinture, mais juste la voiture déjà, c'est 100 000. Voilà, vous pouvez le mettre comme vous voulez. C'est un bateau qui permet, il me semble, ce camion, la salle, permet de stocker derrière, il me semble, l'oppresseur MK2, non? Tout à fait, il stocke des estocades de stockage. Je crois qu'il faut que tu m'invites dedans, non? Effectivement, on n'entre pas comme dans un moulin. Me voici, me voilà. Allez-y, invitez-moi dans votre demeure. Ah, oh, il me semble que je suis rentré sans même que vous me le demandiez. Sans même que je vous le demande. Ah ouais, tout à fait. C'est stylé. Ah, vous n'avez pas l'oppresseur là? Non, l'oppresseur n'est pas là. Et dans l'oppresseur. Donc normalement ici, vous avez l'oppresseur MK2. Donc c'est la tout simplement la moto volante. Voilà, on peut faire quoi d'autre? Alors, on peut sortir par là. Et du coup, avoir accès, il me semble, à la... Alors, je sais pas si c'est par là ou c'est par là-bas. Ici, on n'a rien. Ici, il me semble qu'ici qu'on a un PC, la salle, tu peux y aller. Regardez, tout à fait. Ça, c'est le camion le plus cher de GTA 5. Hein. On peut utiliser le drone, donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire. La salle, j'ai envie de dire, non? Tout à fait, allez-y. C'est stylé. Voilà donc à quoi ressemble du coup le camion. Voilà. Et on a ce petit drone qui permet tout simplement de faire des choses. Donc regardez. Par exemple avec L1, on peut exploser. On peut faire un choc. Descendre, monter. On a le turbo. Voilà. Qui permet de turbonner, j'ai envie de dire. Voilà, du coup là on est bien haut. Voilà à quoi ça ressemble. On peut tout voir, c'est magnifique. Le drone est magnifique. Il a quand même un bon angle, tu vois. On peut zoomer aussi. Voilà, x2, x4, ce qui me permet de voir pas mal de choses. Mode photo, pour prendre des photos. Et voilà, donc c'est le mode photo. Là, je peux prendre une photo, par exemple. Et je peux la sauvegarder dans la galerie si j'ai envie, par exemple, de prendre la photo et de la mettre dans Social Club pour pouvoir la récupérer, après la partager sur Twitter, Instagram, ce que vous voulez, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans ce magnifique camion? Marcher, courir, faire des pompes, ouais, voilà. Sauter, s'abaisser. Ici, on peut s'asseoir aussi. Ouais. Lire, manger, dormir. C'est drôle aussi la salle aussi, sinon. Ah, pour utiliser la batterie de missiles à verrouillage multiple. On va tester. Ok, il active. Nous testâmes, vous testâmes. Ah, okay, c'est un missile. Tu peux avancer? Tout à fait, très cher. Tout à fait, tout à fait. Là, je peux tirer, c'est rien du tout, du coup. Voilà, pour leur montrer tout simplement
comment ça se passe. Donc on a comme un angle à 360 degrés. Oh, play. Ça c'est magnifique. Et on peut du coup aussi zoomer et dézoomer. Vas-y, vas-y, stop, 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 stop. Je voulais tirer sur le... Ah non, c'est mort. Bah va sur la route, va sur la route. Ah, ouais. Va sur la route, reste sur le sol. En fait, quand t'es riche, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Vous ne savez donc plus quoi faire. Alors, attends. Vas-y, bouge pas. Ah, mais en fait, c'est... on est haut. Stop, stop, stop. Ouais, en fait, tu vois, le truc est trop haut. Je sais pas comment te dire. Faudrait c'est pour viser les hélicoptères et les avions. Voilà. C'est plus pour les hélicos et les avions. Ouais. Parce que là, pour viser au sol, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est dommage. Sinon, là, ça serait une machine de guerre. Est-ce qu'on pourrait avoir une certaine... un véhicule à exploser, tu vois, pour tester les missiles? Oui, nous pouvons aller ici. Alors, attendez. Hein, allez. S'il y a un peu de grabuge, c'est tout de même... Attention, petit virage à gauche. Essaye de d'être bas. Et tu vois que... Non mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, laissez-moi faire. À un moment donné, il faut savoir laisser faire les autres. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit laissez-moi faire. Ah ouais. T'es pas con. Non mais attendez. Oh, je te vois. Regarde, je peux tirer dessus. Vas-y. Recule voir. Vous voulez pas patienter 30 secondes? Molle, allez, tirez-moi dessus, allez, tirez-moi dessus. Et c'est voilà. Pas mal. Ok, donc on peut utiliser les missiles, on a utilisé le drone du coup. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc j'ai la police. On peut aller dans cette seconde porte pour entrer dans la cabine. Voilà. Voilà un peu ce qu'on a dans ce magnifique. Il me semble qu'on peut changer aussi ici, je crois. Ouais. Tout à fait. Qui peut changer, pas nous. Tout à fait. On peut changer nos fringues. Il me semble ici qu'on peut améliorer ses armes en MK2. Donc on peut pas le voir parce qu'on, encore une fois, on n'est pas du coup proprio parce que je suis pauvre. Voilà un peu ce qu'on peut faire dedans. Et du coup, on peut soit sortir, soit entrer dans la cabine. Et du coup, la cabine, c'est tout simplement pour conduire le véhicule. Et on a aussi le scanner. Et oui, la salle, le scanner. Le scanner, il faut conduire pour ça. Ouais, faut conduire. Du coup, on a le scanner, attention, on va pouvoir scanner la salle. Attends, bouge pas la salle. Ah voilà. Mais je ne bouge pas. Alors, la salle, rang 828, argent liquide 207 000 ou 200 millions? 200 millions. Ah, quand même. Joueur vous le savez. Tué 28 000, mort du joueur 8 000 fois. Précision 24%, carabine spéciale, arme préférée, véhicule préféré MK2. Station de radio préférée Sulken, danse privée 1, acte sexuel acheté 4. Arme préférée, lance-roquette. Acte sexuel acheté 4. Espèce de petit coquin à la salle, coquin dans les commentaires. En tout cas, c'était 24 heures VS Rich VS Pro, tout simplement. Sur GTA 5, on peut voir que quand même le camion, c'est un truc de fou, on peut faire vraiment pas mal de choses avec. Malheureusement, quand on est pauvre, on a que la mule et on peut rien faire à part rouler, tout simplement. On peut même pas transporter des trucs, c'est nul. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va cesser là-dessus, les gars. C'était magnifique, franchement. Cette série, je kiffe. Donc, dans les prochains épisodes, on va voir pas mal de choses. Sachez qu'il va aussi y avoir d'autres épisodes de ce style, mais... en mode, donc vous allez voir, je vous spoil pas tout ça, on se laisse là dessus et moi je vous dis oh bye, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, à vous abonner sur mon Instagram, activer la cloche. Là ça t'as un petit mot à dire pour finir? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est pas mal, pourquoi pas, je...